m'interroge beaucoup sur la composition de nos églises locales aujourd'hui, qui ont une grande dimension interculturelle. Finalement, on voit quelquefois nos églises diminuer, de voir arriver des chrétiens d'origine étrangère qui rejoignent nos communautés. Et en réfléchissant à cela, il n'y a pas très longtemps, je me suis interrogée finalement sur la place qu'on donnait à ces chrétiens venus d'ailleurs, et plus précisément sur leur vocation. Je me suis demandé finalement s'ils n'avaient pas une vocation spécifique dans nos communautés et puis dans notre société française aussi, en même temps qu'une vocation spécifique vis-à-vis de leur propre pays avec lequel ils gardent des liens étroits, ayant souvent de la famille encore au pays. Alors finalement, je me suis dit, y aurait-il pas une double mission pour ces chrétiens, pour ces gens qui sont chez nous? Mais évidemment, je me suis dit, c'est pas à moi de dire, c'est pas à nous de leur dire, vous avez une double mission. J'aimerais bien savoir ce qu'ils en pensent et si eux-mêmes le vivent de cette manière-là. Et si surtout, on leur donne la possibilité, la place pour qu'ils se posent avec nous cette question. Parce que je pense que ce serait très intéressant pour notre vie d'église. Ce serait très enrichissant. Alors, en pensant à cette double mission, j'ai pensé à ma Bible, bien sûr, et j'ai repensé à un personnage de la Bible que j'aime particulièrement, personnellement, c'est le patriarche Joseph. Moi, j'ai toujours aimé Joseph parce que c'est un homme qui sait pleurer. Il pleure à plusieurs reprises au moment où il va retrouver ses frères à la fin de l'histoire, et cette sensibilité m'a toujours semblé très précieuse. Ce Joseph, lui-même, connaît la situation d'exil. Il n'a pas voulu cette situation, parce que ce n'est pas une situation viable. Et en plus, lui, il a vécu la situation d'exil parce qu'il était, il a été vendu par ses frères pour devenir esclave en Égypte. Donc, il a vécu beaucoup d'épreuves en Égypte, à la cour de Pharaon. Enfin, il a d'abord été emprisonné, il a failli mourir. Enfin bon, voilà, il faut relire tout le cycle de Joseph. Et il va jouer un rôle, il va jouer une mission, il va avoir une mission extraordinaire finalement. Grâce à son talent de décrypteur des songes, il va avoir une mission par rapport au peuple d'Égypte qu'il va sauver de la famine. Mais si je parle de double mission, c'est qu'il a donc cette mission vis-à-vis du pays d'accueil, mais aussi une mission vis-à-vis de sa propre famille, puisque à la fin de la Genèse, la famille de Joseph, ses frères vont descendre en Égypte pour justement sauver les leurs de la famine qui menace en Canaan, parce qu'il y a également la sécheresse. Donc c'est pour ça que je vois une double mission chez Joseph, et je me suis dit, tiens, mais s'il y a cette double mission chez Joseph, ça pourrait nous aider à penser la double mission que peut-être nos frères et sœurs chrétiens venus de l'étranger peuvent endosser pour eux-mêmes. À la suite de ça, je me suis dit que c'était intéressant de proposer tout un cycle de lecture de Joseph, parce que tant qu'à faire, là évidemment, quand on parle de double mission, on se situe juste à la fin, parce que c'est à la fin qu'il sauve aussi ses frères en leur pardonnant et en ne voulant pas se venger d'eux pour le mal qu'ils lui ont fait. Mais je me suis dit que finalement, on pouvait reprendre tout le cycle de Joseph, parce qu'à chaque moment de l'histoire, il y a des thématiques anthropologiques qui sont mises en scène et qui sont universelles et qui peuvent donner lieu à des lectures interculturelles extrêmement intéressantes. Voilà un petit peu, donc c'est comme ça que m'est venue l'idée de retravailler ce grand cycle de Joseph.